Salut les boys et les girls. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je n'ai pas fait ça. Bah oui, ça fait une semaine que je dis filme le vlog, il filme pas, c'est sa faute. Mince. Et là il commence un vlog à 23h. Je suis désolé, j'avoue j'ai pas commencé le vlog. J'aurais peut-être dû commencer hier ou peut-être au moins ce matin. Je vous jure, je lui ai dit plein de fois. Mais c'est pas grave. Dites dans les commentaires Lucas. En gros, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a été chez toi pour l'anniversaire de ton frère. Ouais. Et après on a été à la piscine avec tous ses cousins et tout, et voilà. Là j'ai faim. Et moi, je me suis contracturé le dos, j'ai trop mal en fait, j'ai envie de mourir. Bref, et toi ça va? Oui, moi ça va très bien. On est très fatigué. Je suis crevée. Voilà, on est très fatigué. Wow. Et là, hop, The Sang, toujours, parce qu'on kiffe. Non, on a eu une période de mou, on n'aimait plus trop, et là ça va, ça va. Ouais, c'est vrai. Et là, on va couper un ananas. J'ai des coups de soleil, je sais pas si on voit. C'est super facile, hein. Tu coupes comme ça, le cul. Ensuite. Tu ouvres la tête, et après, on fera un sang comme ça. Court, hein. Fais voir. Pourquoi il me paraît pas très mûr? Tu fais pas mal, hein, s'il te plaît. Du coup, toi, est trop petit. Tu veux que je te donne le gros? Plus facile à éplucher que les autres. Il est super bon. C'est une nouvelle journée, les ticos. On vient de se lever. Il est quelle heure? Il est 11h20. On s'est réveillé à 10h30. Mais en fait, il y a un truc qui me saoule. Tous les matins, quand on se lève, on va sur le balcon et il y a des putains de pigeons. Et hier, on s'est levé, c'était un petit peu plus particulier que ça parce qu'on a vu un pigeon avec une brindille dans sa bouche. Sachant qu'on n'allait pas être là de la journée. Donc en fait, le mec, il est en train de faire son nid sur le balcon là, alors qu'on est là. Donc c'est un malade mental. Il avait déjà mis quelques brindilles. Du coup, vu qu'on n'était pas là de la journée, on a mis une table, on a mis les coussins, on a mis des sacs et tout. Bon, le soir, on revient, il n'y a pas grand chose de plus. Je crois en tout cas, parce que j'ai pas bien vu, mais je crois qu'il n'y avait pas grand chose de plus. Et là, regardez. Je viens de l'enlever à peine maintenant. Donc en fait, il y avait tout et ils ont déjà ça, genre. Mais comment ils ont fait? Il y avait les sacs et tout. Il y avait les sacs et tout. Voilà. Comment ils ont fait? Je sais pas, ça me saoule. Ils sont grave forts pour articuler tout ça. Allez, hop, le nid. Bon, on a tout bien bloqué, voilà. Et je vais mettre lui. Peut-être ça leur fera peur. Je suis sûr qu'il va avoir grave peur. En vrai, il fait grave peur. Lola, elle a reçu un nouveau jouet. Trop bien, cette brosse pour le visage, elle est incroyable. C'est incroyable. Le truc, c'est un vaisseau spatial. Le pigeon est maintenant terminé. Si vous le souhaitez, vous pouvez répéter le soin. Sinon, jetez. D'abord, j'ai essayé le truc chaud, c'est vraiment chaud. Hein. C'est. Ça, c'est la chaleur, le rouge. J'aimerais bien du froid pour mes coups de soleil, s'il te plaît. Alors, je vous explique la situation. Bon, déjà, vous avez remarqué, je saigne du nez. Ne faites pas attention au bout de papier qui fait la taille d'un immeuble qui est dans mon nez, s'il vous plaît. Lola, hier, elle avait dit « Ouais, demain, j'ai un thème à faire, je travaille toute la journée, je le finis, tout ça, tac, tac. » Et voilà, donc elle se lève dans cette optique-là ce matin. Et là, actuellement, il est 18h et elle n'a pas commencé la petite. C'est pas vrai? Je me suis renseignée sur le livre, j'ai lu les résumés du livre, j'ai lu la pièce, la scène. T'as même fait une story pour dire que t'avais pas commencé. Arrête de mentir au vlog. J'espère que t'as honte. Non, mais je vais travailler. Il est 18h. Ma mère, elle vous appelle, tu vois. Tu me laisses pas travailler. Oui, mais c'est bon là. Mais un moment, tu mets tout sur on-off. Tais-toi, la voiture là-bas. C'est les réseaux. Je suis désolée, j'ai eu un call avec une marque. Regardez, c'est business woman. Du coup, je vais me faire manger parce que. Enfin, je vais me faire manger, c'est très vite dit parce qu'en fait, on a tellement de restes que. Bah, en fait, je vais manger des restes, c'est-à-dire des pâtes, du poulet et trois nuggets. J'essaye de faire un petit truc en ce moment, je crois que c'est le jeûne intermittent. Et du coup, en fait, moi, je fais un petit déj et un repas le soir. Sauf que mon repas de soir, bah, je le charge un peu plus, du coup. Et moi, je pense que j'aime bien parce que ça peut permettre de réduire mes calories. Et en même temps, du coup, le soir, j'ai un assez gros repas, du coup, je suis pas frustré. Du coup, je fais ça en ce moment. Si vous voulez, je vous tiendrai au courant. C'est trop bizarre. Bon voilà mon repas, c'est pas super appétissant mais vous verrez après ça sera mieux. Depuis deux semaines je dis que je suis en vacances. Mais en fait c'était pas vrai parce que j'avais un dernier contrôle aujourd'hui en anglais. Et du coup ça y est j'ai fait. Par contre la prof c'est un peu une folle hein, parce qu'elle a mis des questions, elle faisait la taille de l'appart quoi, donc bref. Non mais surtout qu'en fait il y avait beaucoup de questions en deux heures. Au début on s'est dit tranquille et en fait on a eu les plus grosses questions au début. Ouais, du coup on s'est dit s'il y a que des questions comme ça on finira pas le test. Bah n'empêche qu'on avait quand même mis 1h40. On a fini 20 minutes avant parce qu'en fait on s'est pressé de ouf. On croyait que les questions elles allaient être super longues. Je suis en véritable vacances. T'as trop de chance, moi j'ai un putain de commentaire mais bon, encore aujourd'hui t'as dit ouais je travaille, t'as rien fait. Mais normal, je viens de passer deux heures avec toi là. Du coup est-ce qu'on va faire des photos bébé? Oui. Où ça?
Je sais pas où tu veux. Bah non, faut savoir. Bon, du coup là je vous ai bougé pour qu'on sorte parce que lui il voulait pas sortir. Ouais, moi j'avais la flemme mais j'ai dit je sais qu'il faut qu'on sorte parce que je serai dans tous les cas mais on là, sera j'ai bien. Faim, j'ai pas mangé ce midi là. Bah oui bah t'avais qu'à manger avant de partir Lucas. Non, je me suis bon, c'est les dents. Bon, on va aller promener au bord de la mer, on va faire des petites photos. C'est trop beau le soleil, trop bien. La mer infinie. Moi aussi je veux faire des cairns. Bébé, on fait un concours de cairns. Bah super. Regardez le caillou, on dirait qu'il y a eu des abeilles dedans. Trop bizarre. S'il y a des géologues dans les commentaires là, n'hésitez pas à vous. Bon, ça m'étonnerait, je vais pas mentir. Regardez, je suis le meilleur disqueteur de France. Tiens, je te donne mon cœur. Bon, c'est un cœur de pierre, mais faut éviter, quoi. Enfin, faut pas le voir. Du coup, elle me vole la propriété, elle le met dans son TikTok. Bon, Lucas, il veut aller au rocher là-bas. C'est un malade. Attends, je vais me changer parce que le soleil, il est pas bon. J'espère vraiment qu'il va tomber dans l'eau, comme ça va être super drôle. J'ai pas les bonnes chaussures en plus. Ouais, surtout si tu vas dans l'eau avec les Izzy, ce serait sympathique. C'est pas grave, il y a un crabe. Tombe pas, s'il te plaît. Hein. Allez, photo time. Ok. Ce sera rendez-vous sur Instagram pour voir les photos. Ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait longtemps, hein? Ouais, on a fait des photos. C'est 2 heures, moi. Là, elle vient de détruire un cairn parce que j'ai fait plein de cairns. Je vous montrerai mon TikTok. Et j'ai fait un petit cairn. En équilibre de côté. Et puis les couleurs, c'est beau. C'est très très beau. Bon, après, ça a un peu estompé là. Voilà. On aurait dû prendre le pique-nique. Non, manger frites ce soir. Ouais. Trop. Ouais, mais j'ai pas faim. C'est pas grave. Moi j'ai pas faim. Je sais, tu meurs de faim. On s'en va. Ouais. Regarde, j'ai pris ton cœur. D'accord. Est-ce que tu veux me casser les cairns? Oui. Et bah le mien là-bas, là, le tout petit. Oui. T'as le droit à un caillou de ici. Ah ouais? Franchement, si tu le pètes, j'ai un peu la mort parce que je voulais laisser une trace de mon passage. Bon, je vais avoir 3 essais. S'il te plaît. Allez, 3. Yes. Oh, dernier essai. Merde, j'ai de la merde, c'est pas grave. Allez. Tant pis, il reste. Trop cool. Je voulais faire des bonnes actions. Non, allez, on va ramasser un petit peu. Hein. Ça y est, ça devait arriver. Oh putain, mais il faut les jeter. Hein. C'est pas possible. Ceci est un œuf de pigeon. Il est juste venu, il a fondu. Bah ouais, écoute, ma foi. On peut pas le laisser bah, là. Je sais qu'on peut le laisser là. Hein. C'est chaud. Je sais pas. Par contre, ils ont fait ça quand? Non, loin, loin, loin. Lucas. Bon, bah là, on va bouffer des faritas. Donc, faut faire. On est trop fatigués. Et on va regarder Pirates des Caraïbes le dernier aussi. Bref, on se retrouve avec les faritas dans le bide. Et voilà, là, tout préparé. Bon, c'est pas la sauce qu'on aime d'habitude, non, mais en fait, ça va être bon quand même. Lucas, il a failli partir en dépression. Parce qu'en fait, quand on a essayé d'ouvrir le petit sachet. Genre c'était un sachet, au lieu que ce soit la sauce, enfin les épices d'habitude, c'était des épices aux oignons. Ça avait vraiment le goût des Pringles aux oignons. Du coup on s'est dit mais qu'est-ce que c'est? Et moi je sais que je déteste ça. Je l'aime pas trop parce que bah, c'est pas la sauce que je l'assaisonnement que je préfère, mais bon, ça va être bon quand même. Oui. Et là on va mettre Pirates des Caraïbes. Le 5. Arrête. Avec Sam, il a fait une vidéo sur les meilleures surprises, on va dire. Elle fait que pleurer depuis le début, genre. C'est trop méchant. En gros, c'est des vidéos de chiens qui se retrouvaient, de gens qui se marient, de militaires qui rentrent. Et elle fait que c'est pleurer. C'est la qu'il faut pas, là. Bonjour les amis. C'est une nouvelle journée qui commence, enfin qui commence pas du tout, vu qu'on vient de manger de midi. Donc il est donc 15h30. 16h. Elle travaille toujours sur son truc. Oui, je travaille bien aujourd'hui. Ouais, elle a beaucoup avancé. Et moi, en faisant à manger, je me suis brûlé. Oh, mon pauvre bébé, regardez comment c'est là. Et après, on va aller au sablette et on va manger chez mes parents le soir. J'adore quand je suis au soleil, mettre juste mes petits pieds au soleil, ça me réchauffe tout le corps. Voilà, mes petits pieds sont au soleil, ça me réchauffe tout le corps. C'est trop cool. TikTok, ils sont méchants. Ouais, ils veulent pas notre TikTok. Ils veulent TikTok, pas quoi. Que je mette mon TikTok. Bah ouais, écoute. En plus, j'ai presque 900 000 abonnés aujourd'hui ou demain. Allez vous abonner à son TikTok, allez. Oui.
Et au tien aussi. Fais des TikTok, écrivez Lucas, fais des TikTok. Mais j'en ai fait un hier. Mon téléphone. Non. Mais j'ai pas fini. Il y a la lumière. Ferme les yeux. On dirait que t'as les yeux ouverts quand t'as les yeux fermés. Oh, non, c'est non, non. Bon, du coup, après, on va se balader ou pas? Oui, on va. Dans pas longtemps là. Ouais, ouais, j'ai fini. Il est quelle heure? Il est 18h30. Hein. Quoi? Ouais. Ah, oui, non, faut se dépêcher alors. Ouais. Ça y est, on est aux Sablettes. Oh là là! On s'attend plus! Allez, ferme! C'est là! Oh, il est magnifique. Lola, elle a pas fait TikTok de la journée. Du coup, on est 10 minutes là, elle en a fait 6. T'en as fait 6. Et là, t'en fais plus parce que je te bride. Mais sinon, t'en ferais encore. Voilà. Déjà, elle en a fait 2 dans la voiture, elle en a fait 4 ici. Bon, bah écoutez, les amis, il est 23h, on vient de partir chez mes parents. On a fini de manger. On a bien mangé. On a beaucoup parlé, surtout ma mère, elle avait un petit peu la mort contre moi parce que je vais peut-être pas faire d'études l'année prochaine. Mais bon, voilà. J'ai mal au bras, ça y est. T'as mal au bras, ça y est. Oui. C'est bon, dis-leur à tout à l'heure à la maison ou à demain. À demain, parce qu'on va pas filmer après, ouais, on va oublier. Allez, ciao les amigos, à demain. Bon, bah encore une fois, je lui fais son petit repas du midi. J'ai 1 milliard de vaisselle à faire aussi. C'est chaud. C'est chaud ? Trop bon. Ça a pas l'air appétissant ton truc. Hein. C'est trop bon, on goûte. Tu goûtes ? Oui. Je crois que l'écouteur bébé il est un peu petit. Quand on a un peu beaucoup de vaisselle comme ça. Bon, voilà, j'ai fait la cuisine, c'est un peu propre. Nickel. Et aussi, j'ai des notes à vous montrer parce que j'ai des notes. En gros, je suis en licence 3 de STAB, bon, ça vous le savez sûrement. Et au premier semestre, j'avais eu 8,9. Coucou toi. Du coup, pour valider tout ça, il me faut au second semestre 11,1 pour compenser. Et donc là, j'ai eu quelques notes et tout, donc je vais vous montrer. Toutes ces notes là, c'est mon premier semestre. Du coup, là, on va en venir du premier semestre, 8,9. Hop, voilà. Bon, ça c'est marqué 1,3, mais parce qu'il n'y a pas de plus de notes pour l'instant. Et là, pareil, 0, mais c'est parce qu'il n'y a pas les notes. Du coup, j'ai eu. En vrai, au premier semestre, j'avais soit 14, soit 6, et là, j'ai été beaucoup plus régulier. Donc, j'ai eu 9,7 en éducation thérapeutique du patient. Bon, après, c'est parce qu'un prof, il m'a mis 5 sur un contrôle. 12,75 en produits événementiels en APA. Donc, APA, c'est activité physique adaptée. J'ai eu presque 9 en ça. En fait, je sais pas ce que c'est. À chaque fois, les matières, je sais pas ce que c'est. Donc crie pas moi. Pareil, je sais pas ce que c'est, mais j'ai eu 10,50. Méthodologie du stage, j'ai eu 12, ça c'est cool parce que c'est mon stage de l'année où j'ai dû faire un oral et tout en visio parce que bah, c'était TB, mais bon, bref. Là pareil, c'est 4, mais c'est pas ça. Du coup, donc là j'ai eu ABI. En fait, là j'ai un peu la mort parce que ça me fout un 0. Du coup, je suis un peu très très triste. En psychologie cognitive, j'ai eu 13. Attends. Bébé, sciences sociales, j'ai eu 10, 6. C'est quoi? C'est là où Lucas il a eu 8,4. Tu t'avais pas vu encore? Hein? T'avais pas vu encore? Mais non, mais on a fait le travail en groupe, donc c'est pas normal. Ah bah tant mieux. Bah ouais, non mais pas tombé pour eux. Et là, portefeuille, machin, j'ai eu 12. Donc ouais, pour l'instant, c'est des bonnes notes. D'ailleurs, je suis grave content du 10-4, là, comment c'est possible, en fait? Oh, j'étais sur l'ordi tranquillement. Et Nathan, un coup, j'ai la table. Et en fait, il y a de la fumée qui sort. Et en fait, c'est à cause du miroir. Et le reflet, ça a commencé à brûler, regardez, c'est tout noir. Attendez, hyper chaud. Donc, en fait, Lola, elle a laissé son miroir-là, et ben, elle est partie. Et si c'était parti avec elle, bah on aurait pu maison. À peu près, hein. Attends, je vais essayer de refaire fumer pour voir. Bon, du coup, t'as failli cramer la maison, t'es fier de toi? J'ai pas fait exprès, c'est pas moi. Là, je suis en train de me faire manger. Et je mange des pâtes crues en attendant. Je parle au vlog. Bah oui, je parle tout seul. À vous. Mais si vous êtes pas là, bah. En attendant, je parle tout seul. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ouais, les pâtes crues. Vous mangez les pâtes crues, vous? Moi, je trouve que c'est la base. Bonjour les ticos et les ticas. Aujourd'hui est une nouvelle journée. C'est une journée. Lola, elle fait des TikTok là. J'ai 900 000 abonnés. Et elle a 900 000 abonnés sur TikTok. On l'applaudit s'il vous plaît. Bravo, bravo, bravo. Aujourd'hui, elle, tu vas dans une ville. Tu vas faire quoi? Tu vas faire un massage, c'est ça? Ouais, un massage, c'est ça. Tu vas faire un massage pour de vrai? Bah, on va faire un massage. Ok, bon, on va faire un massage. Et moi, je vais faire des magasins avec mes potes. Et normalement, ce soir, ils viennent à la maison, les potes. Donc, je sais pas si je vais beaucoup filmer. Les droits d'auteur démonétisés. Elle se rend pas compte avec ses musiques, hein. Bref, voilà. Du coup, je suis en train de faire à manger à Lola. Et on a vu une recette sur TikTok. Et en fait, je vais faire des croque McDo. Apparemment, c'est juste des burgers mis à l'envers, comme ça. Et t'appuies là-dedans, là. Et donc, du fromage, du jambon. Et puis voilà. Donc, je vous montre le résultat, si ça ressemble ou si c'est totalement une arnaque.
Bon, du coup, ça a fait ça. J'avoue que je sais plus trop à quoi ça ressemble à un truc croque McDo. Alors ? Mais bon, on verra. De toute façon, Lola va goûter. Ça a l'air bon. C'est cuit ? Ça a l'air super bon. Avec les jambons périmés en plus. Est-ce que le goût ressemble ? J'ai pas eu le fromage. Ah. Est-ce que c'est un tout petit peu similaire ? Pas du tout. Et c'est bon ou pas ? Oui, c'est bon. Mais en gros, ça a beaucoup de l'hamburger, quoi. De l'huile, ça se plante là. Non mais moi, ils sont pas morts. Ils sont balés, quoi. Moi, c'est bon. Tu peux les rendre. Je bloque. Moi, c'est bon. Qu'est-ce que bon, il y a un petit peu de gras de partout là. Je sais pas comment on va faire. En plus, ça déborde là. Mais ouais. Bonjour les amigos et les amigas. C'est comme ça qu'on dit amigas ? Ouais. C'est trop cool. J'adore l'espagnol. Bon, et en vrai hier, du coup, je vous avais dit mon programme et du coup, j'ai pas beaucoup filmé, tu vois, parce que bah, je préférais profiter. Mais bah voilà, ils sont partis vers 1h, c'est ça ? Ouais, on a joué au poker et au Uno, au rouge et noir. Oui. Ouais, non, on a fait plein de jeux. Attends, et regarde, je peux rentrer à ouais. En fait, là, vous voyez toutes les pages qui sont ouvertes. C'était pour mon travail. Fermé. Ah ouais. Et fermé. Wouah ! Et un truc qui est moins satisfaisant, par contre, c'est qu'il y a un bloc d'écran là. Ouais. En fait, quand j'ai ouvert mon ordinateur, c'était comme si c'était collé. Et en fait, là, il y a une tache orange. Je sais pas pourquoi. Ça fait pas trop plaisir. Ouais. Oh ! Oh ! Bah, ça s'efface ! Attends. Tâche. Ah ! Ça s'en va. Mais TB. Wow. Ah, mais ça revient par contre. Genre, quand tu l'enlèves un. Par contre, c'est vraiment pas bon. Bon bref, il y a du bordel de partout parce que bah forcément ils ont mis le bordel partout. Donc bah va falloir ranger. Alors là, on a monsieur le cuistot. Je vous jure, on s'arrête plus d'utiliser la planche à mes grands-parents qui nous l'ont offert. On kiffe, c'est trop pratique. Là, je pense que ça va être grave cool pour ça. Ça chauffe super vite. Genre vraiment en ouais. 3 minutes c'est chaud. Hein. Alors que nos plaques... 3 minutes ? Même pas. 10 secondes. Ouais. Nos plaques, il faut 1 heure pour qu'elles chauffent. Moi ce soir, je mange pas là. Monsieur a du travail, il doit faire le montage du vlog que vous regardez, du coup il vient pas avec moi. Ça va. Ça va, j'ai du poids directement dans ma gorge là. Et moi j'ai fait des fraises et j'ai mangé la barquette entière toute seule là, voilà. Elles auront duré 10 minutes. Et voilà, ma petite semoule, mon petit poulet, mes tomates. Et puis on est pas mal hein. Ce fromage dedans là, je kiffe, c'est du goût d'aveu fruité. Je sais pas si vous connaissez. Mais c'est vraiment incroyablement bon quoi. Bon du coup Lola vient de partir, elle vient de vous dire au revoir, maintenant c'est à moi de vous dire au revoir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez votre petit j'aime si ça vous a plu, dites dans les commentaires, ça m'a trop plu, ouais vas-y je fais des vlogs. On se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo, ciao.